comme vous venez de le constater, je viens de le dire aussi à l'entame de l'émission, c'est un jeune artiste béninois. Nous avions décidé quand même de le recevoir, de savoir véritablement comment il se débrouille, comment il se bat quand même dans ce secteur qui paraît difficile pour bon nombre d'artistes au Bénin. Mais nous ne voulons pas quand même laisser ce signe-là aux autres aussi qui sont derrière eux pour quand même dire que la musique au Bénin, ça ne prend pas. Aujourd'hui, il est là, c'est Gaby Fraîcheur que nous avons reçu aujourd'hui. Il nous a dit véritablement de quoi il est capable, il nous a démontré ça, et aussi comment nous allons faire pour que le monde musical puisse véritablement prendre au Bénin. Mesdames et messieurs, je vous demande tout simplement quand même de les accompagner. Il y a des événements que vous organisez dans des quartiers de villes ou de villages, dans des milieux, même à l'extérieur du pays, vous organisez des choses à l'extérieur de ce pays, invitez-les, parce que ce sont nos propres vies, ce sont des gens qui vont quand même nous faire valoriser à travers le monde entier. Ce n'est rien que des conseils que je suis en train de vous lancer, mais je vous demande, en dehors de ça, d'acheter les œuvres. Parce que c'est grâce à cela qu'ils vont toujours continuer à faire sortir des belles morceaux, des morceaux qui vont quand même nous rendre joyeux sur plusieurs espaces public, hein, que ce soit en politique, que ce soit dans n'importe quel secteur. Merci beaucoup quand même de nous avoir tenu compagnie. On se donne rendez-vous très prochainement avec d'autres talentueux derrière lui que nous allons recevoir d'ici là. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement.